entre 1 milliard de dollars et toute une vie sans sexe. Non. Tu choisis quoi? C'est un dilemme. Tu peux... Femme! Non! L'argent ne me satisfait pas. Si pas déjà, côté sexe, tu vois, ça ne serait pas déjà ensemble. Pardon. Donc, il me faut toujours être en activité sexuelle. Quoi. Si c'est que on te propose là maintenant, on te dit qu'on te donne 1 milliard de dollars et tu passes toute une vie sans sexe, où tu choisis le sexe, qu'est-ce que tu prends entre les deux? Donc, entre toute une vie sans sexe et recevoir 1 milliard de dollars, tu choisis quoi? Toute une vie sans sexe et recevoir 1 milliard de dollars. Je ne préférerais pas ça. Tu voudrais quoi? 1 milliard de dollars? Non plus. Tu préfères donc quoi? Je préfère le sexe. Propre comme ça, est-ce que c'est pas beau comme ça? Regardez-vous même. Ouais. Mais pas l'argent, parce que le sexe, comment ils sont? Faire l'amour, c'est aussi, c'est normal, c'est naturel. C'est naturel. Notre cœur demande à un certain âge. Mais en même temps, c'est aussi un milliard. Tu peux tout faire avec. Je peux tout faire avec, mais mon corps aura besoin de certaines sensations que l'argent ne pourra pas me donner. La voix des sans voix. Pas tout. Voilà. Donc, d'accord. Je pense que c'est ça. Je te remercie, ma chérie. Merci. C'est un dilemme. Si on vous dit qu'entre passer toute votre vie sans sexe pour recevoir 1 milliard de dollars, qu'est-ce que vous choisissez? Passer toute ma vie sans sexe et recevoir 1 million de dollars. 1 milliard. 1 milliard de dollars. Oui. Avec les 1 milliard de dollars, je veux faire quoi avec? Puisque l'argent ne sert à rien s'il n'y a pas le sexe et s'il n'y a pas la femme. Mais comment ça? Tu peux faire des œuvres caritatives, aider les orphelins? Non, je ne peux pas. Comment ça? Je ne peux pas passer toute une vie sans... sans avoir une femme à mes côtés, je ne peux pas, c'est très difficile. Oui, mais en même temps, tu peux mais avoir une femme à tes côtés, mais vous ne faites rien. Non, tu ne peux pas avoir une femme à tes côtés, c'est comme vous ne faites rien. La femme est primordiale, et si tu ne fais rien avec la femme à tes côtés, tu vas t'attendre à l'infidélité au retour. Donc là, c'est impossible pour moi, je ne peux pas. Donc tu préfères le sexe? Je préfère le sexe et rester dans la pauvreté. Je te remercie, mon père. Il n'y a pas de quoi. On te demande, c'est un dilemme, tu dois choisir. Oui. Entre passer toute une vie sans sexe, ou bénéficier d'1 milliard de dollars. Ok, je dirais ceci, l'argent est éphémère. L'argent est éphémère, vu que l'argent ne participe au bonheur. Oui. Mais la femme participe au bonheur, vu lorsque tu as une femme, tu as trouvé le bonheur. Oui. Mais l'argent ne participe pas au bonheur, vu que l'argent peut aller du jour au lendemain, mais la femme ne peut pas aller du jour au lendemain. Donc comme vous dites en conclusion que tu choisis... La femme. La femme, le oui. sexe. Oui. D'accord, je te remercie. Moi aussi, je te remercie. Tu préfères passer toute une vie sans sexe ou encore bénéficier d'1 milliard de dollars? Je préfère passer ma vie avec une femme, avec le sexe, que de passer ma vie avec 1 million de dollars. Mais 1 milliard de dollars, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est beaucoup, mais avec le sexe, ce qui renvoie la femme, je peux chercher ce qu'on atteint. Même si on n'atteint pas ça, mais on fait notre bonheur avec le peu qu'on aura. Donc, je préfère la femme. Moi, je préfère la femme. Donc tu ne préfères pas un agent qui va te permettre de faire des œuvres caritatives, on va te connaître partout dans le monde. Tu préfères le sexe? Ouais, je préfère le sexe. Je te remercie. Mon. Ah, le plaisir. Est-ce que vous préférez passer toute une vie sans sexe ou bénéficier d'1 milliard de dollars? Je préfère bénéficier d'1 milliard de dollars. What? Hein? Je préfère bénéficier d'1 milliard de dollars. Et passer toute une vie sans sexe. Et pourquoi ça? Parce que l'argent avant tout. L'argent avant tout. Oui. Donc l'argent est au-dessus même du plaisir sexuel. Oui, oui, oui. Waouh. Et qu'est-ce que tu ferais de ces 1 milliard de dollars? Je vais réaliser tous mes projets avec. 1 milliard, ça c'est... Oui. Tu n'as plus de projet, mon ami. Tu n'auras plus aucun projet à réaliser. Oui. Tout est à réaliser. Ce que je vais réaliser, oui, ce qui va rester, je reste avec, je mène à mon compte. Tu ne pourras jamais finir 1 milliard de dollars. Je sais. Mais je vais quand même rester avec. Mais tu vas quand même rester avec. Je te remercie, ma chérie. Merci. Vous choisissez de passer toute une vie sans sexe ou de bénéficier d'1 milliard de dollars. Il faut quand même, c'est ce qu'il y a l'argent. Ouais, deux combis.
Je prends l'argent, je fous quoi? Un milliard de dollars. Oui, un milliard. Et tu t'en fous du sexe? Je m'en fous. Sérieux? Sérieux? Tu es sérieux? C'est sérieux. Que tu prends un milliard de dollars et tu laisses le sexe? Oui. Tu vas faire quoi avec un milliard de dollars? Bon. Sans être indiscret. Sans être. Bon, disons, je convertis d'abord sa France CFA. Oui. Ça fait 650 milliards de francs CFA. Voilà, 650 millions de francs CFA. J'ouvre, disons, une entreprise de fabrication d'huile d'avocat. Bon. J'ouvre des hôtels et les projets vont venir après. Voyons, un milliard, tu n'as plus envie de travailler. J'ai plus envie de travailler, mais. Plus besoin de travailler. Mais je vais faire des projets qui vont générer des ressources. Ça va te servir à quoi? Tu as tout l'argent. 650 milliards de francs, c'est quoi? Ça va être même pour les orphelins. Pour... Et toi, ma chérie? Quand on parle de ne pas avoir de sexe, ça veut dire que tu n'auras pas d'enfant. Oui, pas d'enfant, pas de rapport sexuel, rien, rien. Déjà, quand tu as de l'argent sans enfant, donc je ne sais pas avec qui tu vas profiter de cet argent et tout et tout. Bon. Faire le sexe, ça ne veut pas non plus dire que je n'aurai pas d'argent, donc je préfère le sexe. Tu choisis le sexe. Parce que le sexe est mieux, parce qu'au moins c'est avec ça. Il y a des conséquences positives. Oui. Les conséquences ne sont pas forcément négatives. Donc, oui. Avec le sexe, je pourrais avoir des descendants. Oui. Donc, je pourrais avoir une famille heureuse. Mm-hmm. Pour faire le sexe. D'accord. Je te remercie. Vous préférez bénéficier d'un milliard de dollars, n'est-ce pas, ou de passer toute une vie sans sexe? Non, je préfère un milliard de dollars. Un milliard de dollars. Ouais. Sans sexe, ça veut dire que tu ne fais pas d'enfant. Milliard de dollars. Non, je préfère avoir le sexe que d'avoir un million de dollars. Tu choisis quoi finalement? Le sexe. Et pourquoi pas un milliard de dollars? Un milliard, c'est quand même beaucoup d'argent. C'est un bien matériel, c'est éphémère, donc ça va finir tout le temps. Oui. Tout le temps, le sexe, on ne peut pas s'en passer, quoi. D'accord, je te remercie. Est-ce que vous préférez passer toute une vie sans sexe ou bénéficier d'un milliard de dollars? Qu'est-ce que vous choisissez? Toute une vie sans sexe ou un milliard de dollars? Vous faites toute une vie sans sexe. Toute une vie sans sexe. Wow. Oui, j'en suis capable moi-même et récupérer mon argent. Sérieux? Oui. Sérieux, déjà, vous n'avez pas d'enfant. Et qu'est-ce que vous allez faire d'un milliard de dollars si vous n'avez pas d'enfant? Il y a tellement de projets. On peut adopter les enfants. Les enfants ne sont pas forcément les enfants qui sortent de vos entrailles. Il y a tellement d'enfants d'ailleurs à adopter. Donc, oui. Je ne peux pas adopter les enfants. Donc, vous allez faire des œuvres caritatives, donner dans les orphelinats. Parce qu'un milliard, tu n'as pas fini de manger. Aider ceux qui sont dans le besoin. D'accord. Entre 1 milliard de dollars et toute une vie sans sexe. Non. Tu choisis quoi? C'est un dilemme. Sexe. Tu préfères le sexe. Oui. Et tu laisses les 1 milliard de dollars. Oui. Je te remercie. L'argent ne me satisfait pas. L'argent si déjà, côté sexuel, si quoi, ça ne serait pas déjà en santé. Donc, il me faut toujours être en activité sexuelle. D'accord. Donc, l'argent ne peut pas sexuellement te satisfaire. Non. Il y a les appareils, là, les engins féminins, masculins. Non. Ça ne remplace pas l'original. Ça ne remplace pas l'original. Non. D'accord. Je te remercie, monsieur. Okay. La voix des sans-voix. L'éclaireur de conscience africaine.